Salut à tous pour cette affiche qui est sans doute l'une des plus attendues de la saison ici. Âme sensible, s'abstenir, c'est jour de derby. Voici deux équipes qui adorent se détester. On peut s'attendre à un engagement physique plus intense que lors d'un match classique. Ces matchs sont aussi parfois l'occasion pour certaines recrues ou certains jeunes de se faire une place dans le cœur des supporters de leur équipe. Bref, c'est un match à part. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Ce match n'a d'amical que le nom, vu l'ambiance qui règne ici. Oui, ces deux équipes sont les meilleures ennemies du monde. C'est surtout une histoire de fierté. Alors, peu importe ce qui s'est dit avant le match, vous pouvez être certain que sur le terrain, les joueurs ne vont pas se faire des cadeaux. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Agüero, quelle parade de Gea. Il joue long, l'interception au bon moment. La porte. En profondeur pour Mahrez. Il va au duel. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il allonge vers l'avant. De Bruyne. Agüero. Oh, il résiste bien. Il continue son one-man show. Il remporte son duel. C'est osé. Oh, Sterling. Oh oui. Ça joue long. Faut tirer là. Oh, mais quelle parade. Oh oui, superbe. Ce sera le premier corner du match. Manchester United qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Ça peut être extrêmement dangereux. Il est passé. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Et la défense qui s'offre un répit. Manchester United qui cherche à déclencher du mouvement. Qui est le premier sur ce ballon? Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Il était bien présent. De Bruyne. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Agüero. Heureusement qu'il était là, son gardien était battu. Pogba. Andreas Pereira. Duel épaule contre épaule. Le gardien dégage, loin. Bonne interception, il y avait danger. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bonne lecture de la trajectoire. Andreas Pereira. Il décide d'allonger le jeu. Il y va tout seul. Rodri qui cherche une solution. Un long ballon vers l'avant. Bien tenté.
Attention avec les tacles. Attention, coup franc dangereux à suivre. Et ce coup franc un peu excentré. Un peu d'oxygène pour sa défense. Avec Bernardo Silva. Et le bon dégagement. Il s'échappe. Allez, c'est dangereux. Il ne laisse rien passer. Encore une interception. Mahrez. Ils ont l'autre chance. Ça passe à côté d'un rien. Eh ben dis donc, c'était chaud. Manchester United qui effectue donc un nouveau changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. De Bruyne, il est lancé sur l'aile. La passe est précise. Il y a peut-être Mahrez. C'était bien joué, dommage. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Andreas Pereira, c'est joué dans la profondeur. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. La longue passe. Attention là. Il peut frapper sur le poteau. Oh, nouvel essai. Incroyable ce but. Il a fallu l'attendre. Et le voilà. Il s'est jeté sur ce ballon. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? Il a les derniers instants de cette rencontre. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Et ils assurent l'essentiel avec la plus petite des marges, le plus important.